Steven from ESC Media, and I'm today with Mr. Mulatto. Glad to see you. You create Kawat Galinga, and your goal is to eradicate extreme poverty. Am I right? Yes, and to build communities that will help people help themselves. That's perfect. So you do it in Philippines, and you do work with the GKWA that you make poor people and poor families buying their own houses. Am I right too? Well, yes. We develop their self-reliance, their ability to help themselves and help other people. Aid Mondial has been one of the most exciting partners that and collaborators we have here in Europe. Aid Mondial has been family and friend to us. They have really built a very long history of our friendship with France, and we have experienced through Aid Mondial also a very deep affection, you know, between the French and the Filipinos, and we are trying also to build a new world where the rich and the poor are family, and that regardless of race or status or religion. So I see that in Aid Mondial, and we value that friendship. Aid Mondial making a difference in the world with Kawat Galinga. Okay, so really thank you. Donc, bonjour Laetitia de l'ISC Média. Donc aujourd'hui on va discuter avec Romuald Guilleret, un ancien de l'association Aid Mondial et un étudiant à l'ISC Paris. Donc bonjour Romuald. Pourquoi avoir choisi cette association et pourquoi avoir choisi l'humanitaire ? Alors j'ai choisi Aide Mondial en première année parce que je voulais travailler dans l'humanitaire. C'était mon objectif professionnel en rentrant en école de commerce. Donc c'était une passerelle en fait, l'occasion de découvrir ce monde de l'humanitaire que je connaissais pas. Donc je suis rentré chez Aide Mondial, je suis parti aux Philippines, donc j'ai fait le stage aux Philippines de 4 mois. Après je suis devenu trésorier de l'association. Et c'est comme ça qu'après j'ai trouvé mon stage de césure dans l'humanitaire. Et donc dans l'humanitaire, on retrouve un peu toutes les fonctions support. On peut très bien travailler en logistique, en finance, en audit, et également toutes les fonctions programme, donc de mise en place des projets. Les débouchés sont multiples dans l'humanitaire, que ce soit au niveau des sièges des organisations, en France ou à l'étranger, hein, des organisations britanniques, danoises, enfin partout dans le monde, et des débouchés également si on veut travailler sur le terrain dans les pays d'intervention. Pourquoi l'humanitaire ? Pourquoi avoir choisi l'humanitaire ? Est-ce que c'est quelque chose qui te touche vraiment ? Est-ce que tu as envie d'aider les gens ? Pourquoi l'humanitaire ? Parce que j'avais envie de travailler là-dedans, j'avais envie de donner un sens au travail que je faisais. Voilà, il y a eu ce passage chez Aide Mondial qui m'a permis de faire du volontariat, d'aller aider les gens gratuitement. Pour répondre à la question, est-ce qu'on peut vivre de ça ? Oui, on peut vivre de ça. Enfin, c'est les mêmes principes qu'en entreprise. On est salarié, on n'est pas volontaire, on a un contrat de travail. Bien sûr, les salaires sont moins élevés que dans le privé, mais sont suffisants pour vivre. Enfin, il n'y a vraiment pas de problème. C'est un choix à faire. On ne travaille pas dans l'humanitaire parce qu'on n'a pas trouvé de travail ailleurs, on travaille dans l'humanitaire parce qu'on a envie de le faire. Partir vivre dans des pays un peu compliqués pendant 8 mois, pendant 8 mois, un an ou plus, c'est des concessions, c'est compliqué de construire une vie de famille quand on est pendant un an, trois quarts de son temps dans des pays où la sécurité n'est pas forcément facile. Je prends l'exemple en Centrafrique, on avait un confinement tous les soirs à 22h, il fallait qu'on soit rentré. Toujours obligé de se déplacer en groupe, toujours en voiture. Beaucoup de quartiers où on n'avait pas le droit d'aller parce que c'était trop tendu. Donc c'est beaucoup de concessions à faire dans sa vie personnelle, mais c'est tellement enrichissant et d'un point de vue humain que ces concessions, on les fait de bon cœur et c'est un réel plaisir. Merci beaucoup Romuald, c'était un plaisir de discuter avec toi. Donc c'était l'ISC Média, au plaisir de vous revoir.